La Côte d'Ivoire se modernise avec la création bientôt d'un nouveau système de transport ferroviaire. Le train urbain d'Abidjan va relier la commune d'Anyama à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué avant de s'étendre sur Yopougon et Bingerville. Le directeur général adjoint de Bouygues Travaux Publics, Olivier Bonnet, qui conduisait une délégation du groupement d'Oxane Bouygues, est venu exposer le projet au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le projet de train urbain qui va de Anyama jusqu'à Port-Bouët constituera une colonne vertébrale de l'ensemble du plan de transport d'Abidjan et permettra de rendre des services considérables à ses habitants. En particulier, on pourra aller depuis Anyama jusqu'au plateau en une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps par les systèmes traditionnels. Nous espérons avoir ainsi la possibilité de rendre un service très appréciable à plus de 300 000 Abidjanais tous les jours. L'initiative, la première du genre en Afrique subsaharienne, sera lancée à coût de plusieurs millions d'euros. Le coût estimatif de la première phase est de 500 millions d'euros. Nous souhaitons arriver à mobiliser l'ensemble du financement et à réaliser les travaux au tout début de l'année prochaine. Nous avons des contacts avec un certain nombre de banques qui se sont montrées très intéressées par les perspectives de ce projet et en particulier son insertion dans une politique de développement durable. La mise en œuvre du train urbain d'Abidjan devrait générer au moins 1000 emplois indirects, 500 emplois directs et 13 nouvelles gares. Nourri à l'électricité et ne rejetant pas de gaz à effet de serre, le train devrait contribuer à réduire considérablement la pollution dans la capitale économique ivoirienne. Le train urbain d'Abidjan est prévu pour être fonctionnel en 2017.